filmer sur scooter Mekaboot, petite vidéo improvisée au téléphone dans mon garage. Je m'éclaire que la voiture est avec le Kinko. Alors, vous allez comprendre dans le titre, normalement. J'arrête la chaîne YouTube temporairement. Vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il y a eu quelque chose sur le site et sur la chaîne ou quoi que ce soit, c'est juste que je vais attaquer le boulot. Je vais faire les saisons, j'aurai pas le temps de faire de vidéos, j'aurai pas le temps de faire les montages et tout ça. Et j'aurai surtout pas le temps de répondre aux commentaires qu'on me mettra. Donc, si vous me mettez des commentaires, si vous me demandez, me posez des questions sur Instagram et je vous réponds pas, commencez pas à venir m'insulter ou quoi que ce soit, comme j'ai eu l'année dernière avec quelqu'un. C'est que tout simplement, moi, je travaillerai, je ferai les saisons agricoles. Donc, les saisons agricoles, c'est le tri de pommes de terre et le tri d'oignons. Et en ce qui concerne les pommes de terre, le tri de pommes de terre sur le triage de pommes de terre en contrat agricole, je crois que si je m'en rappelle, parce que l'année dernière, j'ai pas fait du matin. Mais le matin, c'est 6h, 13h, et l'après-midi, c'est 14h, 21h ou 20h30, je sais plus. Donc, à ça, vous rajoutez le trajet, le temps du trajet. Donc, ça, moi, pour le matin, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je suis de Châteaudun. Il y a des fois, on peut aller travailler à Villepuix, c'est pas très loin, mais il y a des fois, on peut aller travailler du côté d'Artenay et tout ça, je connais plus le patelin. Et là, il y a à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure de route. Donc, l'année dernière, j'ai eu quelqu'un qui m'a contacté sur Instagram. Il m'a limite envoyé chier parce que j'y ai pas répondu. Sauf que moi, je peux pas travailler et répondre. Ça, faut le comprendre. Moi, je suis en contrat agricole. Je fais que les saisons pour l'instant, parce que je trouve rien d'autre. Donc voilà. À savoir que là pour le moment c'est juste les trucs agricoles. Mais voilà quoi. Donc c'est normal si je vous réponds pas, c'est que je travaille. Donc je mets la chaîne en pause pour le moment. Donc j'ai des vidéos qui sont filmées que j'ai pas encore montées. Il faut que j'en monte une là pour vendredi là. Enfin voilà pour le vendredi qui va arriver. Mais je vais mettre celle-là en priorité déjà sur YouTube. Donc l'autre arrivera peut-être la semaine d'après, je pense, ou je sais pas, je vais voir quand est-ce que je vais faire cette vidéo-là, quand est-ce que je vais la monter, du moins, peut-être la faire après. Donc ça sera pour ça, si vous me posez, vous me mettez des commentaires, je vous réponds pas, c'est que 1, soit j'ai pas eu le commentaire, 2, soit votre commentaire a été supprimé par YouTube, 2, 3, soit le commentaire est bien sur la chaîne et j'y ai pas répondu, c'est tout simplement parce que je travaille. Ou après, si vous me posez des questions sur Instagram et que je vous réponds pas, c'est que tout simplement j'ai des problèmes Instagram, comme je l'ai déjà dit. C'est soit j'ai pas eu la notif, soit j'ai pas pensé moi à aller voir sur Insta, ou comme encore une fois, c'est que je vous ai pas répondu parce que je travaille encore une fois. Donc voilà. Donc c'était juste une vidéo pour vous dire ça, que j'arrêtais temporairement la chaîne. Je l'arrête pas définitivement là. C'est juste. Normalement, je travaille août, septembre, aux saisons agricoles, donc il y a peut-être des chances que je reprenne la chaîne courant septembre. Après, si jamais on ne peut pas travailler parce qu'il y a eu des intempéries ou tout ça, ça nous est arrivé l'année dernière, pendant 15 jours, 3 semaines, on n'a pas pu bosser parce qu'il flottait. Peut-être si j'ai une vidéo à faire, j'ai un truc à faire, je sais pas, sur la voiture ou sur la 89 ou quoi que ce soit, je vous ferai la vidéo. J'ai également eu aussi deux personnes qui m'ont demandé une vidéo sur le pompe à huile du Grido. Et je vais pas pouvoir la faire tout de suite, cette vidéo-là, pour plusieurs raisons. La première, c'est que chez moi, c'est en travaux. Donc je peux plus descendre les véhicules dans le sous-sol. C'est pour ça que les scooters sont dans le garage actuellement. Parce qu'il y a l'échafaudage, donc je peux pas les descendre. J'ai les outils, les bécanes à descendre, mais j'ai surtout la servante, elle est au garage. Donc c'est surtout pour ça. Et dans le garage, je peux pas bricoler dans le garage pour deux raisons. C'est que déjà, il y a la chaleur en ce moment. Dans mon garage, il est en plein soleil. Hein, voilà, donc déjà, il y a ça. J'ai pas mal de véhicules qui passent devant, donc à chaque fois ça va me faire couper la vidéo et tout ça, donc merci pour le montage derrière. Et 2, 3, j'ai un voisin qui me casse les bonbons,
qui me prend la tête quand je fais de la mécanique, qui trouve toujours une excuse pour pouvoir me fermer les portes, pour pouvoir accéder à son garage ou quoi que ce soit. Donc c'est aussi pour ça que je peux pas faire de vidéo. J'ai eu le cas quand j'ai fait la voiture sans permis au mois de mars, là quand j'ai fait le variateur, j'ai un mec, vous l'avez entendu je crois sur la vidéo, qui m'a demandé, ouais je ferme ta porte, je rentre ma voiture. Donc voilà. Bon bah venez me, vous pouvez venir me revoir sur ma chaîne YouTube Scooter et Mécaboîte. Pensez à vous abonner aux chaînes YouTube que je vous recommande. Bruno Devine pour les voitures sans permis. Pour tout ce qui est de roues, LG Motorsport Racing, Mob11. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube de mon petit frère Streamix 2.0, qui est une chaîne YouTube sur les jeux. Pour éventuellement des questions, mais comme je vous ai dit, je ne pourrai pas vous y répondre parce que je travaillerai. C'est pas sur YouTube, c'est sur Instagram. J'aimerais bien qu'on arrête de mettre des demandes de questions sur YouTube. J'ai déjà expliqué plusieurs fois que je préférais qu'on me les demande sur Instagram. Si j'ai un Instagram, il n'est pas là pour la décoration, d'accord? Il est là pour poser des questions justement sur la mécanique. Donc maintenant, les abonnés, voilà, les abonnés ou ceux qui m'ont déjà posé des questions bien avant qu'ils sachent que j'aille un Insta, je leur répondrai. Par contre, tous les autres, je pars du principe que ma chaîne, ça fait quand même 2 ans qu'elle existe, ça fait 1 an et demi. Il y a Insta, donc vous allez sur Insta. Point. Voilà. Bah, c'est tout les totos. À une prochaine.